ouvrons nos portes, nos fenêtres, laissant entrer l'air pur le jour, préparant les êtres qui vont naître, un monde en paix, un monde d'amour. Préparons les êtres de l'avenir à la lumière riche et féconde. Pour être puissant, il faut s'unir. Unissons-nous pour la paix du monde. Pour que demain soit une réussite, il faut des êtres nouveaux, des novateurs. Vouloir, c'est pouvoir et sans limite. Faisons notre devoir avec le cœur. Cette naissance du nouveau monde se fait par stade dans le mystère, sur notre petite planète ronde qui toujours patiente tourne dans l'univers. Elle est le champ de bataille de la lumière triomphant, de l'indescriptible pagaille, d'archaïque système vacillant. Chacun sait, en toute conscience, qu'il s'agit là d'une ironie du sort. Servir la divine présence ou être adepte du vautour. Cet or, pur métal de lumière, fut converti par des malfaiteurs en vil métal fauteur de guerre, couvrant la terre de sang, d'horreur, d'inhumer l'air d'obscurantisme, de lutte pour le pouvoir et l'argent. On fait régner l'antagonisme entre les peuples des cinq continents. De tout temps, en toute religion, il y eut des êtres de lumière qui portèrent avec abnégation la bonne parole sur toute la terre. Dans l'intelligence de l'homme nouveau se développe le concept cosmique que tout être humain à tous les niveaux est une parcelle infime d'un tout uni. Il faut arrêter la polémique concernant Dieu. Est-il chrétien, juif, musulman, bouddhiste? N'y a-t-il pas pour tous un même Dieu ?